13h09 en direct sur Sud Radio, soyez les bienvenus, bon appétit. Si vous êtes à table, ça tombe bien, on va parler gastronomie puisqu'on accueille la figure de proue de la cuisine contemporaine. Il est à la tête depuis près de 60 ans de l'une des plus prestigieuses maisons de la gastronomie française, triplement étoilée depuis maintenant 43 ans. C'est un véritable record puisqu'il s'agit de la seule maison française détenant 3 étoiles sans discontinuer. Chef de renommée mondiale, il a reçu dans son restaurant les plus grands de ce monde, organisé les dîners du G7. Il fait la une d'ailleurs cette semaine du magazine Chef-d'œuvre. Il sort un livre de citations. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Georges Blanc en direct sur Sud Radio. Bonjour Georges Blanc. Merci de m'accueillir. Mais c'est un plaisir pour nous. Vous êtes l'heureux patron du Village Blanc à Vona dans l'Ain. Un restaurant, donc on le disait, hein, triplement étoilé, mais aussi une brasserie, il faut le savoir pour nos auditeurs, hein, plus accessible, où l'on déguste des mets tout aussi bons d'ailleurs, une épicerie fine, un hôtel. Trois hôtels. Votre histoire, Georges, c'est avant tout une vraie passion familiale. Hein. Racontez-nous, votre grand-mère a eu la première étoile en 1929. Exact, le guide Michelin est né en 1900, il a commencé à donner les étoiles en 1926, et en 1929, Elisa, ma grand-mère, a gagné la première étoile, elle a ajouté très vite la seconde en 1931, mais n'a jamais eu la troisième étoile, parce que les troisièmes étoiles ont été données à partir de 1933, elle avait cédé en 1932 l'affaire à sa belle-fille, Paulette, ma mère. Au début, c'était une modeste auberge, c'est ça ? Absolument, oui, c'était modeste. Il y avait une double activité pendant 3 générations. Les pères blancs s'occupaient du commerce de limonade, charbon, etc. Et l'épouse des pères blancs prenait en main la cuisine. C'est surtout la deuxième génération, avec Elisa, qui a le plus fait parler de la maison, avec le développement de l'automobile, les gens commençaient à venir, les étoiles, tout ça. Donc oui, c'est l'automobile qui a fait venir les gens chez vous, parce que c'est vrai que c'est voilà, dans l'Ain, au milieu presque de la campagne, et vous avez vraiment créé un véritable village dédié à la gastronomie. Oui, c'était assez simple. Hein. Quand je suis arrivé au début des années 60, j'avais encore le fourneau à charbon, il y avait très peu d'employés, c'était juste quelques femmes qui faisaient la journée continue. Il y avait la lessiveuse chauffée au bois, on allait rincer le linge au bateau lavoir. Et je me rappelle de mon premier téléphone que j'ai utilisé en 64 à mon arrivée. Téléphone avec la magnéto, j'imaginais pas que 60 ans plus tard, j'aurais dans ma poche une petite boîte. C'est un téléphone avec 10 000 photos dedans. C'est incroyable. Justement, on va en reparler de ces étoiles, mais vous me tendez la perche, parce que cette première étoile en 1929, et là, une grande modernité avec un monde qui change à toute allure. Ça a été difficile, parfois, de maintenir cette tradition. C'est grâce à la passion qui m'a toujours animé, tout est possible. Donc j'ai développé, j'ai commencé, il y avait très peu de monde avec moi. Quand on a eu la troisième étoile en 1981, j'avais moins de 10 personnes avec moi en cuisine. Aujourd'hui, nous sommes plus de 30 en cuisine pour servir 2 fois moins de couverts. Voilà ce que représente l'évolution d'aujourd'hui. La qualité s'est beaucoup élevée, on fait une cuisine beaucoup plus élaborée. Et le répertoire traditionnel, classique, familial et régional des mères blancs a été transféré au début des années 90 dans l'ancienne auberge dont vous avez parlé, qui est un petit peu notre conservatoire de cette cuisine des mères, faite de générosité et très profonde, utilisant les produits du terroir. Alors, 43 ans que ça dure, cette troisième étoile, c'est un record absolu. Non, c'est pas un record absolu. Oui, on est sans discontinuer. Voilà. Notre maison est la seule maison qui est étoilée sans discontinuité, pratiquement depuis le début des étoiles. Mais on est 3 seulement, on est 3 cuisiniers, je ne suis pas le seul à avoir dépassé les 40 ans de 3 étoiles. Votre modestie vous honore, mais enfin quand même c'est un exploit, c'est vrai que c'est difficile quand même, c'est difficile, on le sait, cette pression des étoiles, absolument. On en parle chaque année quand le guide sort. Vous l'avez ressenti, vous justement, Georges Blanc, cette pression? Mais elle est toujours là, la pression. Nous, il faut répondre aux clients qui viennent vers nous, qui attendent de vivre une expérience, si possible, émotionnelle. Donc ça nécessite beaucoup d'engagement. Et il faut avoir une équipe motivée. J'essaye d'être exemplaire. Et j'ai eu surtout la chance d'exercer un métier qui me plaît beaucoup. On est un peu des marchands de bonheur. Il y a rien de plus gratifiant quand un client vous quitte, qu'il a cassé la tirelire pour venir vers vous. Il y a beaucoup d'anniversaires, de moments festifs. Et donc, c'est extrêmement agréable de recevoir des compliments. Et pour toute l'équipe, c'est formidable aussi. Justement, vous avez des clients de tous bords, vous disiez... Oui, je crois, c'est la période, les gens viennent fêter un événement.
Il y a beaucoup de jeunes. Il y en a qui ont économisé longtemps. Absolument. Souvent, ce sont les enfants qui offrent aux parents l'anniversaire de leurs 50 ans de mariage, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui viennent parce que c'est les 50 ans de mariage, mais aussi parce qu'ils sont nés il y a 50 ans. Tous les éléments festifs sont prétextes à venir dans des belles maisons comme chez nous, où ils vont vivre une expérience unique. Quel est le piège dans lequel il ne faut pas tomber, justement, quand on a ces étoiles depuis aussi longtemps? Vous vous êtes rendu célèbre, notamment avec votre fameuse volaille de Bresse, le poulet sauce foie gras avec ail confit. Je ne vais pas trop en parler parce que c'est l'heure du repas et on a très faim. Justement, il ne faut pas tomber dans trop de traditions. Il faut savoir se moderniser. Il ne faut pas tomber dans la routine. Il faut toujours être en progrès pour paraître seulement aussi bon, parce que les gens attendent beaucoup d'une expérience comme la nôtre. C'est, comme vous le disiez, on casse la tirelire. Les gens font un effort pour venir vers nous. Il faut vraiment qu'ils vivent un moment exceptionnel. Du coup, vous vous entourez de jeunes chefs, peut-être, avec lesquels vous mélangez vos compétences? C'est très important. Je pense que quand on a la chance d'exercer un métier, je le dis souvent, faire de son métier un plaisir, c'est pouvoir embellir son avenir. C'est ce que j'explique à tous les jeunes. C'est une chance, c'est long une vie professionnelle. Quand on peut s'épanouir dans la vie, dans le métier qu'on a choisi, on est toujours meilleur que les autres qui subissent leur vie professionnelle, qui peut-être même dès le premier emploi disent « Oh là là, ça va être dur, vivement la retraite, ça, ces gens-là... » Ça vous choque quand vous voyez ces jeunes justement manifester pour la retraite? C'est quelque chose qui vous a interpellé quand je vous écoute? Forcément, parce qu'on n'est peut-être pas une majorité de gens à être heureux de notre engagement professionnel. Donc vous conseillez aux jeunes De voir dans leur engagement un moyen d'épanouissement personnel qui les rend heureux de faire ce métier. Quand on parle des étoiles, justement, quand vous avez vu certains de... Voilà, vous avez créé forcément des liens d'amitié dans cette profession, Guy Savoy, l'oiseau à l'époque. Guy Savoy, qui c'est moi, est un de mes meilleurs amis, c'est sûr. Il a eu l'intelligence de bien réagir, c'était une décision parfaitement inattendue. Il a perdu sa troisième étoile. Mais je pense qu'il va rebondir et ça reste une belle maison, très fréquentée. C'est un garçon intelligent parce que quelquefois, au-delà du cuisinier, on découvre des vrais personnages qui sont très attachants. Justement, c'est une injustice pour vous. Y a la cuisine du monde évolue. On prend en considération d'autres cuisines. On parle de la cuisine péruvienne, par exemple. Il faut là aussi s'ouvrir au monde. Il y a plus de diversité avec laquelle il faut faire aujourd'hui quand on est un chef français. Oui, je crois que l'offre, elle est pléthorique aujourd'hui d'alimentation, de restauration. Elle est pléthorique, elle est diverse surtout. Et que vous parlez des cuisines un petit peu à connotation étrangère. Je crois que les gens, les consommateurs sont assez zappeurs, ils aiment bien découvrir. Ils aiment découvrir. Disons qu'aujourd'hui, ils ont un niveau d'éducation en termes de qualité de cuisine qui n'a jamais été atteint. Alors, Avona, Georges Blanc, les plus grands de ce monde vous ont rendu visite. On le voit quand on a la chance de passer dans votre hôtel, toutes ces photos avec les chefs d'État, les plus grands acteurs. Vous avez d'ailleurs publié un livre d'or avec les remerciements de tous. C'est impressionnant, la liste est très longue, de César en passant par Catherine Deneuve, Trintignant, Romy Schneider. Ça, c'est pour les Français, mais quelle vie! Quelles sont les rencontres mémorables pour vous? Des rencontres extraordinaires. J'ai rencontré tellement de gens, j'ai presque une anecdote sur chacun d'entre eux. Alors ça serait trop long, mais allez, tenez, je regarde votre livre, Johnny Hallyday par exemple. Johnny Hallyday, qui avait le même âge que moi, il avait 6 ans de moins que moi, et qui était un fidèle, un habitué, quelqu'un d'extrêmement simple. C'est une grande star, bien sûr, mais il est parti de Vona à 16h, le jour de son dernier concert à Carcassonne. Il avait passé 3 jours à la maison et c'est vraiment quelqu'un que j'ai rencontré avec plaisir. J'ai quelquefois eu l'occasion de faire un enregistrement télé avec Michel Drucker dans l'émission Vivement Dimanche. Il était d'une grande simplicité. Et gentillesse. Il a refait 2 fois le même morceau pour être sûr que c'était le meilleur qu'ils allaient pouvoir choisir. On lui avait demandé, c'était pas nécessaire. Il était généreux. Et gentil, oui, effectivement. On voit d'ailleurs ces gentils mots qu'il vous laisse dans votre livre d'or. Il vous parle justement de votre gentillesse aussi. Il y a eu des stars internationales, Tom Cruise et Nicole Kidman aussi. Oui. Tom Cruise était venu une semaine pour son voyage de noces. Je crois que c'est Paul Newman qui lui avait recommandé la maison. Alors ça a été délicieux parce que ça a été très varié leur séjour avant qu'ils repartent vers une station suisse de sport d'hiver. Et on a fait une belle sortie en Beaujolais, on a été manger l'andouillette beaujolaise. Il mange tant que ça, Tom Cruise, parce que quand on le voit, on se dit qu'il mange des poireaux vapeur toute la journée. Non, il mangeait simplement, mais il avait soif de découverte, donc on a été manger une friture au bord de la Saône.
dans un de mes restaurants. C'était vraiment sympathique, d'une grande simplicité. Incroyable. En 1996, vous avez fait partie des grands chefs du G7 à Lyon. Racontez-nous un petit peu ce dîner avec quoi, 7 chefs d'État autour de la table. Voilà, alors il y avait les grands chefs d'État et ou de gouvernement de l'époque. Hein, ils étaient 7 à table. Et Clinton, et donc, Il y avait Clinton, il y avait Chirac, il y avait Edmund Cole, il y avait le japonais, il y avait l'italien. Voilà, je crois que c'est ça. Et c'était dans l'hôtel de ville de Lyon. Et c'était un menu qui était concocté par les 4 chefs 3 étoiles de l'époque. Donc il y avait Paul Bocuse, bien sûr, le chef de file, Pierre Troingros, moi-même et Marc Véran, qui venait d'avoir ses 3 étoiles, je crois. Alors comment on s'entend entre chefs comme ça? Racontez-nous ce genre de sommet. On s'était réparti le menu. Moi, j'avais hérité du plat principal. C'était bien sûr la volaille de Bresse. Oui. Avec les incontournables petites crêpes vonatiennes de ma grand-mère, voilà. Et vous avez pu les faire, ces volailles de Bresse? Tout à fait, oui. On nous avait aménagé une cuisine au sous-sol pour l'occasion. Et une anecdote qui est quand même incroyable, c'est qu'on avait engagé beaucoup de frais dans l'aménagement de l'hôtel de ville. Mmh. Les salons du premier étage, on avait repeint les plafonds, la feuille d'or, c'était magnifique. Et le jour de la manifestation, il faisait tellement beau que le président Clinton a voulu manger dans la cour en bas. Ben voyons. On a dû redresser une table en bas, à l'extérieur, parce qu'il voulait profiter du beau temps en même temps. Ah ça alors, et donc du coup, bon, les feuilles d'or, alors on les a laissées où elles étaient, ils se sont retrouvés dans une cour un peu plus modeste, c'est ça? Même poussiéreuse. Oh là là, vous avez dû être fou de rage, voilà. Non? Oui, ils étaient contents, c'était des grands de ce monde, ils se retrouvaient tout simplement entre eux. Il y avait des désidératas quand même sur les menus, me semble-t-il. Oui, il ne fallait pas mettre en œuvre des produits trop onéreux, comme le caviar, des choses comme ça, ou des truffes. Ou du homard. Parce que le menu reproduit dans le monde entier, ça aurait fait mauvaise impression. C'est alors qu'il n'y avait pas encore les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Déjà, ils étaient méfiants. Tout à fait. Il y a eu aussi ce sommet entre Gorbatchev et Mitterrand. C'est l'un de vos grands souvenirs. Gorbatchev et Mitterrand, oui, ils se sont rencontrés chez moi, au bord de Saône, à Mâcon. Gorbatchev avait quitté le pouvoir à l'époque et Mitterrand l'avait invité. Gorbatchev a dormi chez Mitterrand dans une maison toute simple à Cluny, tout près de Mâcon. Et ils ont dîné à un repas que j'avais concocté, c'était au printemps. Ce sont des grands souvenirs. Aujourd'hui, Georges Blanc, comment vous voyez l'avenir? C'est vrai qu'on le disait, le monde change énormément. Déjà, est-ce que vous trouvez toujours autant de personnel dans vos hôtels, dans vos restaurants? On parle toujours de cette crise où vous échappez Je crois que le recrutement, c'est un peu difficile. Il faut trouver les bonnes personnes, savoir se les attacher et les conserver, donc leur donner une mission valorisante. Je crois qu'on a beaucoup progressé sur le plan social et ça nous a aidés. Mais c'est vrai qu'on est une profession difficile où on travaille souvent en journée continue, le soir et le week-end. Donc aujourd'hui, les gens veulent une vie une vie de famille plus pleine. Justement, vous les trouvez quand même ces jeunes, vous les attirez, vous les fidélisez comment? Je pense qu'on a des jeunes extraordinaires, d'ailleurs dans le magazine que je vous ai amené, mon proche assistant me dit, je vis avec Georges Blanc les plus belles années de ma vie, vous ne pouvez pas faire un meilleur compliment. C'est important pour vous justement de transmettre à ces jeunes aujourd'hui? La transmission, c'est très important, je crois qu'il faut être exemplaire, c'est la chose la plus contagieuse au monde, la valeur de l'exemple. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes, justement, qui sont difficiles parfois à garder? Je crois qu'il faut que l'endroit leur convienne. Je pense qu'il faut savoir créer du lien. On fait de temps en temps des réunions de personnel, comme en début d'année, on a fait une grande fête, parce qu'on fêtait les 150 ans de cette maison. Donc plutôt que d'inviter mes clients ou la presse, j'ai invité tout mon personnel avec leurs conjoints. On a fait une belle fête. Et ce qui est une anecdote savoureuse, il y avait deux personnes qui voulaient quitter l'établissement, qui sont retournées voir la DRH le lendemain et qui ont dit on avait donné notre démission pour aller voir ailleurs, mais on a décidé de rester. Ah bah vous voyez. C'est formidable, non? Bah oui, absolument. Aujourd'hui, l'inflation qui touche les restaurants, est-ce que vous le ressentez, vous, justement, dans vos établissements? Alors on subit bien sûr, comme tout le monde, comme tous les consommateurs, les ravages de l'inflation, hein, l'énergie, les produits, les légumes. J'apprends ce matin que les légumes, ça représente à peu près 16% d'augmentation. Ah, mais oui. Donc nous mettons en œuvre ces produits, nous avons des frais fixes importants.
Et c'est très difficile d'augmenter les prix parce qu'on arrive à des niveaux de prix qui sont très élevés et on ne peut pas répercuter intégralement les hausses qu'on a subies. Aujourd'hui, un menu dans un étoilé comme le vôtre, il faut compter combien de budget ? Il faut compter autour de 300 euros avec les vins. Donc c'est une fête exceptionnelle, mais vous avez une succession de plats, vous avez une succession de services, vous avez pour 40 à 50 personnes dans le restaurant, il y a pratiquement autant de personnel, sans compter tous les gens qui n'ont rien à voir avec la production ni au service. Merci en tout cas Georges Blanc, chef cuisinier 3 étoiles au Guide Michelin et 4 toques au Gomillot, d'avoir été avec nous. Et chers auditeurs, voilà, cassez la tirelire peut-être si vous le pouvez, si vous en avez la possibilité, dans le beau village de Vona. Merci à vous Georges Blanc, et un homme que vous connaissez je crois va suivre, Jacques Pessy en direct sur Sud Radio dans quelques instants.